Salut à tous, aujourd'hui petite revue encore liquide, comme je vous ai dit sur la dernière vidéo. Donc là on va encore aller chez Fuel, qui m'a été envoyé par Pipeline Store, très gentiment. Donc là on va aller sur le Prime, le Fuel Prime, le numéro 5. Donc exactement qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? C'est une explosion d'agrumes et de fruits tropicaux avec une touche de frais et pleine de mystère pour un assemblage parfait. Alors c'est un liquide en 50-50, là je l'ai eu en 3 mg, donc on va se goûter ça tout de suite. Donc pareil, il m'avait dit que c'était des liquides qui étaient faits pour aller sur des atouts, donc j'ai sorti le Ice Tank. Alors moi je suis pas fan des liquides frais, je ne suis vraiment pas fan. Par contre là, celui-ci passe très bien, j'en suis même plutôt surpris. Ça, c'est un liquide qui m'avait fait goûter à Iway. Et du coup, je lui ai demandé de savoir si tu peux pas m'en envoyer pour que je puisse goûter et faire une petite revue dessus. Par contre, ce qui me fait énormément plaisir, c'est que je n'ai plus le goût de cette base de chez Fuel. Ça me fait énormément plaisir. Exactement ce liquide-là, qu'est-ce que je vais sentir? Je vais sentir une note d'agrumes. Le fruit tropicaux, non, je ne vais pas le sentir. Par contre, avec une petite fraîcheur, je dirais une menthe. Pas vraiment un coulada ou ce genre de liquide. Ouais, ça c'est un bon petit liquide qui passerait bien en hiver. Ça c'est, moi je le recommande. Je suis pas fan de ce type de liquide, par contre celui-ci je vais me le prendre pour ma journée et il passe plutôt bien. Par contre, sur cette petite vidéo là, dans le titre, je vais rajouter que je vais parler d'un liquide, d'un NKV, le dernier NKV, le Revenge. Je vais pas le tester avec vous. Je vous cache pas, je l'ai testé. Je l'ai goûté. C'est un liquide au tabac. Les liquides au tabac, je vous avais déjà dit, je n'aime pas du tout. Par contre, celui-ci, en le goûtant, je peux dire que c'est un tabac qui est sublimement bien réussi. Je suis pas fan des tabacs, c'est pour ça que je vais pas le goûter pour faire une grimace devant vous. Mais par contre, c'est un très bon tabac. Voilà, j'ai fait goûter. Il y en a plusieurs qui étaient là à dire oui, c'est vraiment un tabac très bien réussi. Dans le groupe que je suis, pareil, je l'ai fait goûter. Même on n'est vraiment pas fan des tabacs, par contre on l'a fait goûter, il n'y en a aucun qui a dit il n'est pas réussi. C'est vraiment un très très bon tabac. Je pense que c'est un liquide qui ira très bien pour un vapoteur débutant qui recherche un tabac plutôt bien réussi, qui reprend son paquet de clopes. Ben là franchement celui-ci est vraiment très bien réussi. Pourtant, des tabacs, au début, j'en ai testé des bons et des moins bons. Bah là, ça va dans les premiers liquides tabac qui sont vraiment très bien réussis. Donc voilà, moi, c'est ce que je peux dire sur ces deux petits liquides. Le Prime Fuel, celui-ci, je vais sûrement m'en faire une petite cure. Je l'aime beaucoup. Et pour ceux qui aiment les tabacs, enfin, qui est fan des tabacs, vraiment très réaliste, et bah, je vais lui conseiller celui-là. Pourtant, c'est quoi à dire? Je n'aime pas les tabacs, mais celui-ci est vraiment très bon. Sur ce, voilà, moi c'est ce que je peux vous dire sur ces deux petits liquides. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou un bon week-end. Allez, salut à tous!